Je voudrais parler à beaucoup de chrétiens, dit le Seigneur. I'd like to speak to many Christians, says the Lord. Parce que mon cœur, for my heart, c'est pour vous sauver. Is to save you. Mon cœur, c'est pour vous préserver. Is to protect you. Vous préserver des dangers. From dangers. Ne vous trompez pas. Do not deceive yourself. Car je vais encore ébranler la terre. For I will shake the earth again. Je vais ébranler les cieux. I will shake the heavens. Dit le Seigneur. Says the Lord. Je vais ébranler tout ce qui peut être ébranlé. I'm going to shake everything that can be shaken. C'est pourquoi ne mettez pas votre confiance. This is why do not put your trust. Dans les choses de ce monde. In the things of this world. Le monde veut construire. The world wants to build. Mais tout ce qu'ils construisent, but whatever they're going to build, périra. Will perish. Tout ce qu'ils construisent, whatever they build, seront détruits. Will be destroyed. Car c'est moi l'Éternel. For it's me, the Almighty. Le Dieu qui règne. The God who reigns. Le monde court à gauche et à droite. The world runs right and left. Mais je vais ébranler cette terre. But I will shake this earth. Car je veux attirer les cœurs. For I want to draw hearts. Vers moi, dit le Seigneur. To me, says the Lord. Je veux attirer beaucoup vers moi, dit le Seigneur. I want to draw many to me, says the Lord. Mais pour vous, mon peuple. But for you, my people. Ne vous trompez pas. Do not be fooled. Ne mettez pas votre confiance dans les choses de cette terre. Do not put your trust in the things of this world. Ne mettez pas votre sécurité dans les choses de cette terre. Do not put your security in the things of this world. Parce que toutes ces choses seront ébranlées. For all these things will be destroyed. C'est pourquoi je veux attirer votre cœur. This is why I want to draw your heart. Vers moi. To me. Pour que vous construisiez les choses qui ne pourront pas être ébranlées. So you can build things that will not be shaken. Les choses qui concernent mon royaume. Things that concern my kingdom. Mon église. My church. Voilà ce que vous êtes appelé à construire. This is what you're called to build. Mais ne faites pas l'erreur de construire avec le monde. But don't make the mistake to build with the world. Ne construisez pas avec l'esprit qui règne dans ce monde. Do not build with the spirit that reigns in this world. Mais que Dieu voit au-delà de ce que vos yeux naturels peuvent voir. But may your eyes see beyond what your natural eyes can see. Et sachez que ce qui est écrit dans ma parole s'accomplira. And know that whatever is written in my word will be done. Tout ce que j'ai proclamé arrivera. Whatever I've proclaimed will come to pass. Et ce sont les temps que nous vivons. And this is the times we are living. Quand il y a beaucoup de choses que j'ai parlé, for many things I've spoken about, qui s'accompliront sous vos yeux. That will come to pass under your eyes. C'est pourquoi ne mettez pas votre confiance dans les hommes. This is why do not put your trust in men. Ni dans les choses de la terre. Nor in the things of this world. Parce que je vais ébranler toutes ces choses. Because I'm going to shake all these things. Et vous verrez comme le monde continuera à s'écrouler. You will see how the world will keep crushing, being crushed. Veulent emmener la paix, mais il n'y aura point de paix. They want to bring peace, but there will be no peace. Parce que le monde veut s'enorgueillir. Because the world is full of pride. Mais moi, je vous appelle, dit le Seigneur. But I'm calling you, says the Lord. À réfléchir. To think, à ouvrir votre cœur pour comprendre mon plan, to understand my plan, pour comprendre que to tout ce que j'ai parlé arriveront about, certainement. Will come to pass certainly, most certainly. Ne vous trompez pas. Do not be fooled. Ma parole est la vérité. My word is the truth. C'est pourquoi je vous appelle. This is why I'm calling. À ouvrir votre cœur. To open your heart. Pour construire avec moi. To build with me. Et tout ce que je vais construire. And everything I'm going to build. Demeurera éternellement. Will stand eternally. Mais ce que l'homme veut construire. But for what man wants to build. Toutes ces choses seront ébranlées. All these things will be crushed. Et toutes ces choses vont disparaître. And they will disappear. Oui, le temps arrive. The time is coming. Le temps arrive. The time is coming. Ce monde for this world sera encore ébranlé. Will again be shaken. Beaucoup de choses many things apparaîtront. Will appear. Et beaucoup se poseront des questions. And many will ask themselves questions. Est-ce le temps de la fin du monde? Is it the time for the end of the world? Mais moi, je suis sur le trône et je règne. I'm on the throne and I reign. Et j'emmènerai les choses en mon temps. And I will bring things in my time. Parce que je veux attirer les hommes vers moi. And I want to draw men to C'est me. Pourquoi je vous appelle à construire avec moi. This is why I'm asking and calling you to build with à me. À être des ouvriers avec moi. To be laborers with me.
Et comprenez que je veux construire and understand that les I want choses to build qui seront éternelles. Things that will be eternal. Travaillez avec moi. Work with me. Travaillez avec moi. Work with me. Écoutez la voix de mon esprit. Listen to the voice écoutez of my spirit. Ma parole. Listen to my word. Ne prenez pas ma parole à la légère. Do not take my word lightly. Quand même au sein de l'Église, je veux restaurer des choses because encore. Even in your midst, I want to restore, soyez ouverts to restore things. Be open à tout ce que je veux emmener to whatever I want to bring, pour restaurer, to restore, pour remettre de l'ordre to bring back au sein de mon Église. In the midst of my ouvrez church. Vos cœurs. Open your heart. Ne croyez pas que nous sommes arrivés, don't think that que vous êtes arrived, arrivés, dit le Seigneur. Or that you have arrived, says mais the Lord. J'ai encore des choses à accomplir I still have things to do au sein de mon Église. In the midst of my church. Donc, ouvrez vos cœurs open your hearts, et laissez mon esprit and allow my spirit œuvrer en vous to work in you, pour qu'il saisisse votre cœur to catch your heart, et que vous comprendrez que les choses de ce monde sont banales. And you will understand that the things ils n'ont aucune valeur are vain and have no value, mais ce que je construis what I'm busy building, c'est éternel, dit is le Seigneur. Eternal, says the Lord. Elles sont éternelles, they dit are le Seigneur. Eternal. Bâtissez. Build. Investissez. Invest. Construisez. Build. Réparez. Repair. Pour les choses éternelles. For eternal things. Dit le Seigneur. Says the Lord. Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Yes Lord. Seigneur, que nous puissions entendre ta voix avec may humilité we hear your dans notre voice, cœur. Lord. Speaking to our hearts. Garde nos cœurs humbles, Seigneur. Keep our hearts humble, Lord. Préserve-nous. Protect us, keep us, Lord. Du mal. From the evil one. Que les tentations. May temptations. Ne nous vaincront point. Do not overcome us. Mais que ton esprit. That your spirit pourra nous conduire will lead us et vaincre and overcome toutes ces tentations, all these temptations, toutes ces attaques de l'ennemi, all these attacks of the enemy, toutes ces déceptions, all these lies, toutes ces tromperies, all these lies, deception, cette philosophie humaine, that human philosophy, l'humanisme, humanism. Que toutes ces choses may all these things ne nous écrasent point. Do not crush ne us. Nous éloignent point de toi. Do not draw us away from you. Et garde nos cœurs près de toi. Keep our hearts near you, Lord. Dans ta parole. In your word. Garde-nous. Keep us. Préserve-nous du mal. Protect us from the evil. Seigneur, préserve-nous du mal. Protect us from evil, Lord. Que nous ne puissions, que nous ne soumettons pas à la tentation. That we might not submit or give in to temptation. Mais aide-nous par ta grâce, Seigneur. Help us by your grace. À prendre notre croix et te suivre. To take our cross and à faire follow mourir you. Les désirs de notre chair. To cause our desires of flesh to die. Afin, Seigneur, d'accomplir ta volonté. So as to do your will. Et de construire avec toi, Seigneur. And build with you, Lord. Ton royaume. Your kingdom. Qui est éternel. That is eternal. Garde nos cœurs dans la paix. Keep our hearts in peace, Lord. Garde nos cœurs dans le repos. Keep our hearts in rest. Ne permets pas que nous soyons paniqués par quoi que ce soit. Do not allow us to get in panic for anything. Mais rapproche-nous de toi. But let us draw near to you, Lord. Et rapproche-nous les uns des autres. Draw us closer to each other. Te remercions ce we matin. We thank you, Lord. Te louons ce matin. We praise you. À toi toute la gloire, to you Jésus. Be the glory, Jesus. Merci. Thank you, Lord. Merci, Seigneur.